Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans MMA Extra Round. Aujourd'hui, c'est une spéciale PFL. Nous allons recevoir en visio deux invités de prestige, puisqu'il y aura d'un côté James Fouin, qui fait partie du board du PFL, de l'autre côté, le combattant Anthony Salamon. Lui aussi, il fait son comeback au PFL. Et il est avec nous, on va le retrouver dans quelques minutes. D'abord, je vous propose de faire un tour d'actualité avec Sébastien Loff, qui va nous parler du fonctionnement du PFL. Seb, le PFL commence son travail de conquête de l'Europe et ce n'est pas pour nous déplaire. Et non, le PFL, c'est une organisation incroyable qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années. C'est d'ailleurs la franchise qui a le plus... La franchise, ça c'est la NBA qui me fait parler comme ça. Justement, je vais revenir par rapport à la... Mais l'organisation qui a la meilleure croissance de ces dernières années, c'est un fonctionnement incroyable qui met en lumière le spectacle. Et le sport aussi. Et le sport, bien évidemment. Quand je dis spectacle, sport, parce que grâce à ce spectacle, ça va devenir un spectacle sportif incroyable. À l'instar de la NBA. C'est pour ça que j'ai fait un petit peu ce lapsus révélateur tout à l'heure. C'est-à-dire que ça se décompose en une saison régulière, des playoffs et des finales. Comme au basket. Donc ce qui est génial, c'est que voilà, la première partie, c'est donc les tirages au sort pour la saison régulière. Plusieurs combattants vont se rencontrer. Ensuite, il va y avoir la phase de playoffs. Et enfin, les finales, pour au plus grand plaisir donc de tous les téléspectateurs. C'est une compétition qui est incroyable dans le sens où il y a un système de points qui va valoriser un petit peu les combattants. C'est-à-dire que si vous finissez, par exemple, premier round, donc une victoire déjà, je vais être un peu plus synthétique, une victoire, c'est 3 points. Voilà, quoi qu'il arrive, c'est 3 points. Mais si vous gagnez dans le premier round, ça rajoute 3 points. Si vous gagnez dans le deuxième round, ça sera que 2 points. Dans le troisième round, ça sera 1 point. Si vous avez une victoire à la décision, ça sera juste les 3 points de la victoire. Si vous perdez, bien évidemment, c'est 0 point. Et le draw, le nul, donc c'est 1 point. Donc, c'est incroyable parce que vous pouvez perdre votre premier combat, mais vous rattrapez sur le second avec une victoire par KO, par exemple, dans la première reprise. Donc, je trouve ça super. Et voilà, c'est ce qui fait que le PFL devient incroyable, devient cette organisation qu'on a envie de suivre parce que c'est sur toute une année. Donc, bah, on va suivre les combattants toute une année. Mais comme tu le disais en off, Lucie, ça demande une rigueur incroyable pour les combattants. C'est ça, parce que l'aspect important, en tout cas moi, donc sportif, je sais que c'est une organisation qui m'aurait franchement plu, parce que ça te garantit un calendrier, tu as des échéances régulières et donc des rentrées d'argent régulières. Et ça, c'est super. En revanche, il faut pouvoir tenir le régime, parce que c'est quand même pas rien. On avait vu que Kayla Harrison, elle avait abandonné le tournoi pour ces raisons-là, parce que c'est hyper dur d'enchaîner les weightcutting, etc. Donc tout le monde ne peut pas faire ça, mais c'est aussi pour ça que le finish au premier round ou au deuxième round est valorisé. On veut du spectacle, mais on veut surtout des gens qui se préservent leur santé, donc il faut finir avant la limite. Exactement, c'est tout l'intérêt de cette organisation, là, le PFL. Alors on a les dates, hein, la saison régulière, donc hein, il y aura 2 étapes, une à Newcastle le 25 mars, une autre à Berlin le 8 juillet, les play-offs dans la Ville Lumière à Paris le 30 septembre, donc il faudra être présent, et les finales se dérouleront à Dublin le 8 décembre. Et le PFL a de grandes ambitions. Justement, avec nous, on a le vice-président du PFL, c'est James Fouin. Il est avec nous. Hi James, how are you doing? Are you here? I'm here. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'était si important pour vous d'investir en Europe? Je vous remercie de m'avoir invité. Le PFL est très enthousiaste à l'idée de lancer son format unique en Europe. En particulier en France, où le MMA continue de se développer. Et la raison pour laquelle nous sommes si enthousiastes à propos de l'Europe est son réservoir de talents. Le nombre de grands athlètes européens est vraiment impressionnant. Vous pensez qu'il y a un gros potentiel en Europe ? Oui, nous sommes très enthousiastes à propos de l'Europe en général, mais la France est un marché particulièrement intéressant pour le MMA et nous sommes impatients de trouver notre premier champion français de MMA au PFL. Et donc pour le public français, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu les contours de cette compétition, comment ça fonctionne exactement? On est sur un tournoi à plusieurs étapes. Yes, so the PFL is different. Oui, le PFL est donc différente des autres organisations de MMA ou de boxe. Nous organisons des événements dans le cadre d'une saison sportive, comme c'est le cas pour d'autres sports tels que le basketball ou le football.
Le PFL organise une saison régulière. Nous avons des playoffs et un championnat. Les combattants s'affrontent donc plus régulièrement dans le même fuseau horaire. Mais oui, nous pensons que c'est ce que veulent les combattants et les fans. Et alors, comment le casting français a-t-il été réalisé? Comment avez-vous choisi les Français? Le PFL a donc annoncé le PFL Europe en 2022 pour un lancement en 2023. Depuis, nous avons notre chef des opérations pour les combattants. Ray Sefo, qui a été 8 fois champion du monde de kickboxing et champion du monde de Muay Thai. Son équipe a prospecté le marché français à la recherche des meilleurs talents de l'Hexagone. Les combattants dont Ray et le PFL pensent qu'ils méritent de participer à la première saison du PFL Europe et d'avoir la possibilité de gagner 100 000 dollars cette année. Ensuite, ils pourront participer à la saison mondiale et concourir pour le million de dollars. Nous avons donc passé beaucoup de temps à étudier le marché et nous sommes très enthousiastes au sujet des 5 combattants français qui ont été sélectionnés pour 2023. Et vous avez aussi mis en place donc une nouvelle catégorie, une catégorie féminine, donc les flyweight. Pourquoi c'était important pour vous de développer, un, le roster féminin, et deux, pourquoi cette catégorie? Nous avons donc une division féminine qui a un très gros succès dans notre saison mondiale. Des combattantes comme Kayla Harrison ont concouru dans cette division ces dernières années. Les combattantes sont une priorité pour le PFL en général, et Ray Sefo et son équipe ont identifié la division des poids flyweight comme l'une des plus excitantes d'Europe. Donc maintenant, si je comprends bien, vous avez un circuit européen, un circuit américain. Quels sont vos plans? Est-ce que vous pensez que vous allez aussi développer un circuit asiatique, peut-être? Oui, notre vision est donc de faire progresser et développer le sport dans le monde entier. Le PFL Europe en 2023 sera la première étape dans notre course à l'international. Wow, what an ambition. Let me tell you, it's amazing. We love the PFL here. Je vous remercie. Merci de m'avoir reçu. Et on va maintenant s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur de la cage, la Smart Cage du PFL avec Anthony Salamone. C'est notre invité Spotlight. Salut Anthony, comment ça va? Bah écoutez, ça va et vous? Ouais, la préparation se passe bien? Super, ouais, super. Franchement, j'ai hâte d'y être. Ouais, cette saison, elle s'annonce vraiment épique pour toi, Anthony. Alors, on va parler, avant de parler du PFL, on va reparler de ton parcours, de ton histoire. Toi, tu viens de la lutte gréco-romaine, une lutte basée donc sur le haut du corps, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, un peu comme en judo. Et tu as eu plusieurs titres dans cette discipline. Ouais, en effet, j'ai été plusieurs fois champion de France. J'ai eu plusieurs médailles au championnat de France également. J'ai été sélectionné en stage équipe de France, j'ai lutté en division 1, qui est le plus haut niveau de la lutte française et internationale, parce qu'on accueille les meilleurs lutteurs au monde, et puis voilà. Et est-ce que tu t'entraînais quand même un petit peu en lutte libre? C'est-à-dire que toi, tu étais sur le haut du corps, mais est-ce que tu allais parfois dans les jambes un petit peu ou pas? Ouais, alors ça m'arrivait. J'ai fait champion de France en lutte libre en junior. Et après, une fois en senior, en fait, on a un peu cette obligation de choisir un style. Du coup, je suis resté sur la gréco parce que le club de Tourcoing, on est vraiment spécialisé dans cette discipline. Donc voilà. Ouais, c'est vrai que Tourcoing, c'est une ville assez emblématique dans ton domaine. Tu es arrivé à la lutte comment? C'est une histoire de famille ou comment tu as atterri dans ce milieu? Même pas vraiment, par hasard. Alors, en fait, je me suis intéressé au début au MMA, au grappling, etc. J'avais fait une première saison, mais bon, j'étais jeune, c'était vraiment un loisir. Et j'ai un combattant de mon club qui avait affronté en fait un lutteur français. Et vraiment, ça s'était très mal passé pour le combattant de mon club. Et je me suis dit, mais s'il vient d'où, lui fait quoi comme sport? Et c'est là qu'un ami à moi, Sad, il m'a dit, ben, c'est de la lutte, si tu veux, je peux te mettre en contact avec le club de Tourcoing. Et au final, je suis tombé dedans, les performances, ça a été. Du coup, je me suis consacré principalement à la lutte et pendant presque 10 ans. Ah, mais c'est marrant parce qu'en général, c'est l'inverse. On commence la lutte et on découvre le MMA. Ensuite, toi, ça a été le chemin inverse, c'est marrant. Finalement, tu reviens à tes premiers amours, le MMA. Comment tu as articulé ce projet? Comment ça s'est goupillé, tout ça? Pareil, par hasard. Alors, je travaillais dans une salle de la ville.
Et le hasard Et fait que tu réussis bien quand même, Anthony, je trouve. T'as une bonne étoile. Hein. Exactement. Et en fait, je suis tombé sur l'entraîneur de la Team Tourcoing à l'époque, Salvatore Cassilli, okay. qui me dit, bah, écoute, viens faire un entraînement, etc. Ancien combattant, hein, Salvatore. Hein. Ouais, exactement. Et ben, tu te souviens d'ailleurs, Seb, on avait fait le 100% fight, je me souviens, Exactement. ouais. Ouais. 100% fight 27, ouais. Et ben, c'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Et puis Ouais. voilà, j'ai fait mes premiers combats. Je suis retourné dans la lutte. Je suis retourné dans le MMA ensuite. Et puis voilà, ça c'est à chaque fois, pendant 1 an, 2 ans, je repartais à la lutte. Je revenais dans le MMA. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de trous dans ma carrière de MMA pendant 1 an ou 2 sans combattre. Ouais. Et puis voilà. Donc pas mal d'aller-retour. Est-ce que tu te sens aussi à l'aise dans les autres registres que tu l'es en lutte ou pas? Donc au début ça a été dur, c'est vrai que au niveau de la boxe c'était très 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 différent. On n'a pas l'habitude des coups, les lutteurs, les grappleurs et tout ça. Au niveau du sol ça va, franchement j'ai jamais eu un problème en particulier du fait sûrement de la lutte, ça m'a beaucoup aidé. Mais depuis 2-3 ans je me suis beaucoup consacré à la boxe et j'ai tout autant évolué. Et c'est pour ça que j'espère pouvoir le prouver et le montrer dans les prochains combats. Alors justement, le PFL, hein, c'est inespéré, c'est l'une des plus belles ligues au monde, elle en fait rêver plus d'un, moi y compris, je te dis franchement, le PFL, c'est une organisation qui offre de la régularité, enfin, voilà, ça fait rêver en tout cas. Comment tu as réussi, toi, à intégrer cette ligue? Ben ça s'est fait. Donc j'étais en vacances en famille, j'étais en Floride, Le et hasard, mon encore une manager. fois. On aime le hasard chez J'allais toi, il encore est bon. dire, c'est par hasard. Mais entre guillemets, ouais, c'est par hasard parce que mon manager, il me contacte au mois d'août. Donc moi, je devais combattre à l'ARES le 25 juin. Et malheureusement, pour des raisons X, ça ne s'est pas fait. Et du coup, bon, voilà, le mois de juillet, j'étais un peu, on va dire, un peu en repos, entre guillemets, le fait aussi de digérer le fait que le combat n'a pas eu lieu. Et donc au mois d'août, alors que j'étais en vacances, mon manager, il me contacte. Il me dit, j'ai peut-être une belle proposition. Est-ce que tu serais intéressé de prendre un combat dans moins de 10 jours? Je lui dis, écoute, tout dépend de où c'est, de qui, de, tu vois. Et donc c'est là qu'il me propose, il m'envoie directement d'ailleurs un contrat de 5 combats avec le PFL, avec justement ce combat contre Will Fleury mi-août. Et franchement, je connaissais les risques. J'étais pas forcément au meilleur de ma forme. La KT, c'était une KT au-dessus. C'était en J'ai short quand même notice? décidé. Ouais, exactement. Il y C'était combien avait, de je temps crois, avant? je dis pas de bêtises, peut-être 13 jours avant, 14 jours. Ah ouais, c'est Ah vrai. Ouais, bon? non, c'était Ouais. très risqué. Surtout que Will Fury, enfin, c'est clairement un gros client de mémoire. Il a Ouais. été lutteur au niveau international, lui aussi. Mais à la fois, tu as un très bon niveau aussi, donc c'était assez équilibré. Ouais, franchement, ouais. Ben, après, on ne savait pas trop comment aborder le combat. Vraiment, ça s'est passé très vite. Vraiment, comme j'ai dit, je connaissais les risques, j'ai saisi l'opportunité. Je ne savais pas vraiment comment ça allait se passer, sachant qu'il y avait vraiment ce déficit de poids. Mais bon, après, ça, j'ai fait du mieux. Malheureusement, bon, j'ai un peu été passif sur le combat, moi, je trouve. Et donc, bon, oui, il prend la victoire sans problème. Bah, Et puis voilà, c'est des choses qui arrivent. c'est C'est une aussi le première fait défaite. que je t'ai pas spiqué. Parce qu'à chaque fois, je t'ai spiqué 5 fois, tu as toujours gagné. C'est ça. Exactement. Il va falloir Donc, qu'il si passe tu une sais tribune de venir Seb au le. PFL. Ouais, Je vais leur ça demander serait de bien. venir au PFL. Je vais leur en parler. Alors, tu parlais de la catégorie de poids. Parce que là, nous, on le sait en off. Mais ce que tu n'as pas dit, c'est que toi, à la base, tu viens des 84 kilos. Et cette opportunité, on te l'a proposée en 93 kilos. Donc, c'est quand même une catégorie au-dessus. Ce n'est pas rien. En MMA, ça fait une différence. J'imagine encore plus en lutte. T'es un lutteur, c'est un lutteur. J'imagine que ça a son importance. Ben, c'est vrai que bon, à la base, c'était seulement ce combat en 93 kilos, donc le combat contre Will Fleury, avec logiquement une intégration des middleweight au PFL en 2023. Ça ne s'est pas fait malheureusement. Pourquoi? Donc ils m'ont proposé, je ne sais pas, vraiment, je ne pourrais pas vous dire la raison. Je sais que les middleweight, ils ne le font pas. Du coup, on m'a dit 77 ou 93. Là, c'était Crever de faim ou manger comme un sumo, à choisir. Exactement. Donc, le choix, je ne vais pas vous mentir, qui a été vite fait, sachant qu'en lutte, moi, je luttais en moins de 98 kilos. Ah ouais. Donc, j'ai un peu Ouais. ce rapport avec le poids. Ça ne me dérangeait pas vraiment. Mais Donc, tu sais voilà. que tu Du peux le coup, j'ai faire. entamé. Ouais, voilà. Donc, j'ai Alors. entamé cette petite prise de masse. Et puis, voilà. Donc ça veut dire que grâce à ce shot, tu as réussi à intégrer le PFL, donc le tournoi. Donc là, tu intègres les playoffs. C'est ce qui va se jouer donc le 25 mars prochain. Ces playoffs permettent donc de gagner des points. Et derrière,
si tu réussis à avoir suffisamment de points, tu peux intégrer le tournoi à partir des demi-finales. On est bien d'accord là-dessus? C'est ça. Alors là, je suis, entre guillemets, là, on va dire que je suis un peu dans ce quart de finale du tournoi Europe des 93 kilos. Et en cas de victoire, j'affronterai, je ne sais plus le nom, les combattants, mais on est 6 ou 8. Ouais. Donc les finales, ce sera à Dublin. Oui, c'est effectivement. Ça. Ouais. Ce sera à Dublin. Comment tu as préparé cette saison? Parce que là, on ne parle pas d'échéance. Là, on parle de préparer une saison. Tu montes dans une catégorie. Comment tu t'es préparé pour ça? Eh bien, comment je me suis préparé? Je n'ai pas changé grand-chose. Mes entraînements, ils sont restés les mêmes. Donc, j'ai fait appel à Clément Marcoux pour me préparer physiquement au mieux pour cette nouvelle catégorie. Ouais. Donc, on a fait un travail. Franchement, ça fait peut-être 2 mois là, qu'on est dessus. Ça passe très bien, la prise de masse elle a bien commencé, donc là je suis bien dans la catégorie light heavyweight. On continue à prendre du poids tout en étant tout aussi endurant et puissant, donc voilà, c'est un travail qu'on va garder sur la saison. Puis sinon, au niveau des entraînements et tout ça, j'ai rien changé en particulier. Tu t'entraînes, là t'es à Roubaix là en ce moment? T'es toujours... Ouais, exactement. Et tu vas, on te rappelle, on s'était croisé à l'INSEP, je ne sais plus quand c'était. Là, c'était... Ah, il y a un petit moment, ouais. Je crois que c'était il y a 2-3 ans. Non, ouais, c'était juste avant le Covid, je crois. Ouais, ben juste avant le Covid, c'est ça. Ouais, j'étais parti m'entraîner pour la lutte. Là. Et là, tu t'y vas un petit peu encore pour la lutte ou tu restes à Roubaix là? Non, franchement, non. Je continue à lutter dans mon club d'origine. Ouais. Mais c'est vrai que sur l'INSEP et tout ça, non, ça fait un bon moment que je n'ai pas été. Ouais. Alors, la catégorie des light heavyweight, c'est une nouvelle catégorie et tu vas avoir un adversaire. Seb, qu'est-ce qu'on sait sur cet adversaire? Et Daniel Ladero. Ce qu'on sait, c'est que c'est également quelqu'un qui a un background de lutte et de grappling. C'est un Espagnol qui a 34 ans, qui est un peu plus vieux que toi, qui a la même taille que toi. Vous faites tous les deux à peu près 1m83 dans ces eaux-là. C'est quelqu'un qui a 4 combats. 3 victoires, une par KO et 2 par soumission. Alors son dernier combat, il le perd par KO contre Matthew Biffield, c'était au Cage Warrior, c'était en novembre 2022. Et par contre, à chaque fois qu'il a gagné, c'était avant la limite. Donc vous avez un peu des profils similaires, mais bon, moi, on se connaît depuis longtemps, j'ai expliqué 5 fois tes combats. J'ai regardé un petit peu les combats de Daniel Ladero, donc qu'on appelle White Gorilla, et toi on t'appelle White Bear. Vous êtes tous les deux White. Exactement. Ça va être beau là. Mais ça va être un bon combat, mais je me dis que franchement, il y a largement la place pour passer Anthony. Et je dis pas ça parce qu'on se connaît. C'est vraiment de manière très franche et en ayant regardé un petit peu les combats de Daniel Bien sûr, Ladero. Ouais. Et d'ailleurs, parmi tous tes concurrents, qui est-ce qui t'inquiète le plus dans le tournoi? Ouais. Alors, c'est vrai que j'ai regardé un petit peu. Donc, il y avait 2 noms qui me... Bon, déjà, à la base, il devait avoir Damien Losco-Rémy, un deuxième Français. Par hasard, on s'était parlé. On avait compris qu'on était tous les deux dans le tournoi. Donc, c'est vrai que, bon, on s'est dit, on se rejoint en finale. Malheureusement, il s'est blessé. Un bon rétablissement à lui. Sinon, je ne suis pas trop inquiet parce que, bon, voilà, c'est le sport. On aime ça. Sinon, mais je pense que le favori, c'est l'Anglais. À 7-0, moi je le vois bien en favori du tournoi. Sinon on a lui, sinon je crois que c'est un Slovaque. C'est je pense que c'est les 2 meilleurs du tournoi, l'Anglais et le Slovaque. Après ouais. Et alors Will Fleury, il n'est plus dans la course lui, du coup. Du coup lui, Will Fleury devait affronter, donc lui il est dans le tournoi, le fameux tournoi 1 million. Donc là il entame la saison, il devait prendre... Arkhmedov, mais qui s'est blessé. Donc là, il y a eu un changement d'adversaire de dernière minute. C'est dans 1 mois ou 2 son combat, je pense. Parce que Will Fleury, c'est un profil quand même hyper haute qualité. C'est-à-dire qu'il a fait l'UFC, le Bellator, il a été champion de UAE Warrior. Accessoirement, lui aussi, c'était un champion de lutte. Enfin voilà, c'est un sérieux concurrent. C'est pour ça que je me demandais s'il était toujours dans le roster du PFL, s'il pouvait de nouveau être sur ta route, éventuellement. Est-ce que vous avez... avec ton équipe, conscience des enjeux et de l'aménagement que ça va nécessiter au niveau de ta prépa? Parce que gagner au PFL, ça implique quoi? Ça implique qu'il faut performer et durer sur la longueur. Ça passe donc par des détails importants comme éviter les blessures, par exemple, être capable d'être au poids toute la saison. Bon, pour le coup, toi, là, ça va aller. C'est mieux quand c'est dans ce sens-là. Donc, c'est un sacré challenge. Et puis, surtout, il faut se conditionner à finir les combats avant la limite pour engranger un maximum de points. Est-ce que t'as travaillé dans ce sens-là? D'abord pour tenir la distance sur toute l'année au niveau de la planif, mais en plus pour finaliser tes adversaires?
Donc c'est vrai quoi, ouais, finaliser, ça serait toujours bien. Donc après, moi, je n'ai pas ce système de points. Donc en fait, je ne sais pas si vous avez eu l'info. Donc c'est vrai qu'il y a deux tournois. Moi, je fais partie du tournoi Europe. Donc c'est un tournoi à 100 000 euros avec 6 combattants. On commence directement en quart de finale. Et c'est totalement différent du tournoi avec les playoffs et tout ça à 1 million d'euros qu'on entend tous les ans au PFL. Oui, parce que toi, il n'y a pas le. Justement, dans ton tournoi, il n'y aura pas les points de bonus que vous pouvez avoir, ce Voilà, qu'ils ont dans le tournoi 1 exactement. million. C'est ça. Ouais. Donc c'est direct, élimination directe, je Exactement. gagne, je suis en demi, je gagne, je suis en finale. Ah Donc oui, c'est et un, tu on va risques dire de prendre un. ça. Ouais, et tu risques de prendre, je pense, justement, Simon l'anglais, effectivement, ça Powell, c'est je tout. crois que c'est, Ouais, c'est ouais. ça, Simon Powell, qui a un Exactement. 7-0. Le Slovaque, c'est un 5-1. Mais si tout va bien, tu Exactement. rencontres l'anglais en finale. Et tu gagnes par soumission dans le premier round. Et c'est l'objectif, j'y ai déjà Ouais. pensé. Au niveau financier, le PFL, est-ce que c'est aussi attractif que ça en a l'air, en fait? Parce que vraiment, ça vend du rêve d'un point de vue saison, échéance, etc. Il y a de la régularité, donc des rentrées régulières d'argent. Mais sur, admettons, tu ne fais que deux combats, là, tu t'y retrouves financièrement ou pas? Il y a des grilles de salaire comme à l'UFC? Franchement, ça a été d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'ai accepté le contrat. À la base, moi, le PFL, bon, je suis, j'aime bien, c'est une orgue qui, voilà quoi, c'est le PFL. Mais bon, je restais avec cet objectif de l'UFC. Et quand cette proposition s'est présentée à moi, en voyant ben, justement ces primes-là qui changent totalement des primes qu'on peut avoir en France ou dans les orgues des environs, c'est vrai que ça a été quelque chose qui m'a beaucoup poussé à dire oui. Ouais, là, ça, tu On t'es dit, est on joue dans la cour largement des sur grands. les mêmes primes, voire peut-être un petit peu plus que les premiers contrats à l'UFC. Ah On ouais. peut avoir une fourchette, sans donner le prix exact, mais une fourchette. Bah, il vient de le dire. Un peu plus qu'à Donc déjà, l'UFC. les cinq chiffres, on les a. Les Ouais, cinq voilà, c'est chiffres, ça, on ouais. les a. On est sur un minimum de 12 000 euros, on va dire. Et ben forcément, ça peut augmenter. Moi, je sais qu'il y en a, ils sont à 24 plus 24, 48 plus 48, Ouais. mais les 12 000 minimum de l'UFC, on les a. Alors, et ça se joue à quoi? Ça se joue en fonction de qui tu es, quel CV tu as ou quelle hype tu génères? Ça se joue à quoi? Ben, là, par exemple, sur le contrat que je fais, c'est tous les participants, tous les combattants du tournoi ont le même. C'est-à-dire, on a la même prime de combat à chaque combat jusqu'en finale, et en finale, ce fameux bonus de 100K. Et sinon, sur les autres, je pense de manière générale, c'est un peu comme à l'UFC quand même. Je pense qu'un Wilkinson qui a gagné le tournoi cette année, il va avoir beaucoup plus au combat qu'un mec comme moi ou un mec qui vient d'intégrer le PFL. Et Ce qui est logique d'ailleurs. à quel moment on peut renégocier le contrat? Ben, je pense quand il se termine. Quand il se termine, ça peut pas être avant si tu crées une grosse hype autour de toi? Pourquoi pas? Si Je tu combats pense à que Paris, par exemple, tout est possible. Ouais, je suis exactement. Ben c'est opportuniste. vrai que c'est des choses que j'avais pensé. Par exemple, le contrat, là, pour le tournoi, c'est un nouveau contrat qu'ils m'ont envoyé. Donc, c'est un contrat dans le contrat, on va dire. Donc, je pense que tout est faisable en fonction d'eux. Comment tu la vois cette saison 2023? Qu'est-ce que tu aimerais faire là? Quels sont tes rêves? Donc, déjà, là, ben, moi, j'aborde combat par combat. Je vais déjà partir dans l'optique de gagner ce combat le 25 mars. Et puis ensuite, ben l'objectif, c'est la finale et la gagner, hein, gagner le tournoi et puis renouveler ce contrat au PFL et faire le maximum pour Ouais, t'aimerais rester avancer. quelques années, quelques saisons là-bas? Quelques années, bien sûr. Bien Ouais. sûr, là, je sais que j'ai jusque 2024, donc bon, ça me laisse quand même, Ah on ouais. va dire, 2 ans. Quel Il y âge a tu quoi as? faire, là j'ai 27 ans, ça va me faire 29 ans. S'il y a peut-être avant 30 ans, si je fais un bon parcours, pourquoi par la suite ne pas essayer d'intégrer l'UFC ou voir comment les choses se déroulent? Parce que c'est vrai que le PFL prend beaucoup d'ampleur, il se développe plutôt pas mal sur le plan international. Donc si je suis bien, pourquoi ne pas y rester? Ouais, Non, c'est mais une c'est bonne ça. planque. Franchement, le PFL, c'est une Ah oui, très bonne planque. mais dans 2 ou 3 ans, je pense que ça peut devenir l'organisation Ouais, phare, ça moi, peut, le ça peut. PFL. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais des 1 million de dollars si tu les gagnais? Eh bien, c'est la bonne question, ça. Hein. Déjà gagné les 100 000. Est-ce que je Déjà ferais. gagné les 100 000. Franchement, déjà, on va gagner les 100 000, mais si je gagnerais 1 million, je pense que j'investirais, je ferai en sorte de pouvoir continuer sur la lancée que je suis, parce que je pense qu'avec 1 million, on peut en faire deux, on peut en faire trois. Donc, voilà, je ferais plaisir. Franchement, j'y pense pas trop.
C'est l'argent, c'est pas quelque chose qui m'attire sur le premier plan, mais ça ferait ouais, du bien quand même. Ouais, t'as mis du beurre dans les épinards quand même, hein, surtout à Mignon. Ouais, exactement. Tiens, regarde, on a une photo de ton adversaire parce qu'on l'a stalké sur les réseaux, regarde. Lui aussi, il est en train de manger des protéines, il se prépare. Bon appétit. Est-ce que vous mangez la même chose du coup pour ce combat ou pas? Toi, t'es sur ce type de régime? Non, pas du tout. Non, c'est vrai que j'ai un plan à suivre, mais c'est vrai que ce qui est bien, c'est que je peux un peu me faire plaisir à droite, à gauche. Ouais. Et puis voilà, je maintiens quand même le plan nutritionnel que Clément m'impose, mais elle avait l'air pas mal quand même son entrecôte, non? Clément Marcoux, il est dans le sud, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, Montpellier, pas la Vasse. Ouais, vous faites tout ça en visio, j'imagine. Exactement, ouais, on s'appelle, on s'est eu au téléphone hier, et puis on fait du mieux qu'on peut, quoi. Alors, qui sera dans ton coin pour conclure le 25 mars? Alors là, le 25 mars, c'est vrai que je suis encore en train de faire cette équipe. Donc d'office, il y aura mon entraîneur de boxe, Julien, qui n'est pas trop connu dans le milieu du MMA, il vient de la boxe anglaise. Donc ensuite, vu que Daniel, il y a un gros bagage au sol, vice-champion d'Europe ADCC, etc. C'est vrai que j'aurai certainement un ami avec qui je m'entraîne beaucoup au sol, qui lui est champion d'Europe de Jiu-Jitsu, Nai. Et puis certainement mon entraîneur, donc Sofiane de la team AFC. D'accord. Eh bien, écoute, en tout cas, on te souhaite le meilleur pour tes débuts au PFL. Merci. On te souhaite d'empocher le million, vraiment. Tu te rappelleras hein, qu'on t'a interviewé à ce moment-là. Il n'y a pas de souci. J'achèterai un merci trou beaucoup. De papillon à Sébastien. Ah, merci, Anthony. Merci, Anthony, d'avoir été disponible. On te souhaite bonne chance aussi. Pour la suite de C'est ta gentil. Carrière. Merci beaucoup. Salut, à Anthony. Bientôt. Merci, Seb. Merci. Et merci à notre public, toujours aussi nombreux. Merci pour vos retours. N'hésitez pas à partager l'émission si elle vous a plu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.